Salut tout le monde, c'est 52, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo analyse et théorie sur cette nouvelle image de Final Fantasy 4 qui est apparue le 29 mai 2015 sur le site de Scott Games, qui apparaît à votre écran et qui est disponible dans la description. Donc je vais vous montrer tout de suite l'image en question. La voici. Donc je pense que vous aurez deviné qu'il s'agit de la version cauchemardesque de Foxy. Il y a tout simplement. On peut pas dire que c'est Foxy. On n'a pas de certitude exacte justement, donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une version cauchemardesque, horrifique de Foxy. Alors nous allons commencer comme je fais d'habitude par la date. Toujours le 31 octobre 2015, Scott fixe vraiment cette date peut-être pour que son jeu soit bien terminé, qu'il n'y ait pas de bug, qu'il veut bien y inclure toutes les informations qu'il veut dedans dans ce final chapter. Et donc justement comme ce sera son dernier, autant envoyer le paquet. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il a encore 4 mois, je regarde, ouais, 4 mois à tout perfectionner, pour que ce soit vraiment parfait. On sait que la perfection ne peut pas s'atteindre, mais il va tenter d'atteindre le plus haut possible. Ensuite, on a une nouvelle question, ce hormis. Je pense que certains, vous savez ce que cela veut dire. On pourrait remplacer ce hormis par Was It Me, qui était disponible dans la... dans l'image de Bonnie et de Chica. Ce était-ce moi pourrait avoir une référence avec la mention de 87. Parce que dans le code source, désolé, je ne sais pas comment on fait le code source de la page. Je suis sur PC, donc je crois que la configuration n'est pas la même. Et donc, ce était-ce moi, peut-être que par exemple la Foxy se demande, était-ce moi qui a causé la mention de 87 ? C'est ça que beaucoup de personnes se posent la question justement. Et donc on a Bonnie et Chica qui font pareil. Freddy, on peut pas savoir, hein, à cause du final chapter qui était sur son image. Peut-être qu'il se pose lui-même la question, ou alors, ça c'est une de mes hypothèses, peut-être qu'il sait qui est le responsable de ce « était-ce moi ?» et que du coup, il ne pose pas la question « était-ce moi ?» Ensuite, on va faire l'analyse de cette animatronique qui, je rappelle, est une version cauchemardesque, une version nightmare, une version horrifique, comme vous voulez, de Foxy. Tout simplement par son museau, commencer, par son crochet, par la couleur rouge et sa répartition par rapport aux animatroniques. Je rappelle que Foxy est le 4e animatronique, sachant que le premier c'est Freddy, le 2e Bonnie, le 3e Chica, donc on a le 4e Foxy. Donc si on suit à peu près l'ordre logique de celui de FNAF 1 et puis même de tous les autres, on aurait que le Freddy après. Mais comme c'est un easter egg, ah bah non, je doute qu'on puisse l'avoir. Donc, pour faire l'analyse, on va commencer par les yeux. On commence par en haut, on va finir par en bas. Les yeux par rapport à celles de Bonnie et de Chica, qui, je rappelle, avaient un seul œil allumé. Lui a les deux yeux allumés, qui montrent bien et qui nous fixent du regard. Ça fait vraiment flipper, tout simplement, de savoir que t'as un machin comme ça qui te regarde, qui te fixe, sachant que les autres aussi le faisaient, mais ils avaient qu'un seul œil qui était plus allumé, et lui, il a les deux d'allumés. C'est clair que ça fait beaucoup plus flipper. Ensuite, on retrouve les moisissures. Alors ça, c'est normal, hein, dans une version de cauchemar, faut toujours avoir les moisissures. Et on a la peau de l'animatronique qui part, comme celle des autres, qui nous permet de voir les os squelettes du museau et de la mâchoire d'en bas. Ensuite, on retrouve exactement la même, on retrouve des morceaux de moisissures, de rouille, puisque c'est là, c'est du métal. On a des trucs de rouille. Et donc là après on a le corps et je veux revenir justement à cette langue. Nous sommes tous d'accord, je pense aussi derrière votre écran, c'est peut-être un petit truc qui vous a pas percuté sur le moment, mais quand vous regardez bien les autres animatroniques, ça a dû percuter d'un seul coup. Ce Foxy là est le premier à avoir une langue. Les autres, je ne me souviens pas avoir un animatronique avec une langue. Ils avaient certes la petite mâchoire dans le fond, qui j'ai l'impression se retrouve ici, mais en aucun cas, ils avaient une langue. Et lui, c'est le tout premier d'en avoir une. Bien sûr, dans le mode robot du cauchemar, hein, on voit bien que c'est une langue métallique qui qui fait quand même flipper. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est bien le premier animatronique qui possède une langue. Nous sommes d'accord. On va pas aller se faire un débat là-dessus. Et c'est assez choquant quand même, parce que tous les autres, on était habitués à avoir des dents. Bon, ok, c'est vrai que c'est choquant aussi. Mais ils avaient des dents, ils avaient des grandes gueules et tout ça. Mais lui, il a une langue en plus. Donc c'est vraiment, ça fait flipper. C'est tout, il y a juste ça. Après, il y a le crochet, mais bon, le crochet, hein, on va pas s'éterniser là-dessus, désolé. Tous les Foxy, que ce soit celui du FNAF 1, 2, 3, ils avaient tous un crochet. Bon, à part le 3 qui avait perdu son crochet qui était dans la caisse, mais ils ont tous un crochet, c'est pas nouveau. Ensuite, nous allons passer à la version éclairée de l'image. La voici. Ah mince, je viens de vous péter les yeux, je suis désolé. Donc, on retrouve un message derrière, un mot. Mais ce mot est beaucoup plus difficile à décrypter que les autres. On peut apercevoir par exemple ici les traces, les mêmes qui sont là. Mais vraiment à cause de la même couleur, en fait Scott a dû mettre la même couleur pour que ce soit bien camouflé. Et même quand tu vois là derrière tout ça, ça on est d'accord, ici on ne voit rien. Là on aperçoit peut-être un R ou un A. Là un O ou un A, pareil, je sais pas. Alors là par contre je suis sûr c'est un E et un R, hein. Je suis pas illettré non plus. Mais voilà, à part le ER à la fin, on peut pas dire que c'est un nightmare. Déjà un nightmare, la terminaison c'est RE. Enfin la terminaison, la fin du mot c'est RE. Donc déjà il y a un problème. Donc ça peut pas être nightmare. Ou alors c'est les lettres, les syllabes qui ont été inversées. Dans ce cas, si ici c'est effectivement un R, dans ce cas, je vois pas quel mot est derrière. C'est pour ça que ma vidéo a un peu de retard. J'ai tenté par tous les moyens de trouver ce foutu mot, mais j'ai pas réussi. Là, j'ai l'impression de voir un M, ou alors il est là le M, ou là c'est un A justement, ce qui fait que ça peut pas être le M ici. Enfin, voilà, c'est vraiment, j'ai galéré à tenter de trouver ce mot et j'ai pas réussi. Je pense avoir fait le tour. Alors, je vais remettre l'image de base. Et je vais mettre au point la petite hypothèse que je disais à chacune de mes vidéos, sauf celle de Chica qui a duré 3-4 minutes, donc ce qui fait qu'elle a été plus courte. Je n'étais pas revenu là-dessus, mais là, mon hypothèse, ma théorie si vous voulez, a été modifiée. Donc, je suis toujours sur l'idée que nous sommes dans un cauchemar en continu de Purple Guy qui est dans Springtrap. Qui, je rappelle, Springtrap a survécu à un incendie de FNAF 3. Donc, FNAF 4 se déroulerait chronologiquement après FNAF 3. Le seul bémol à cause de cette image, le nightmare n'apparaît pas. Donc, là, c'est peut-être que Scott décide de nous faire un stop sur cette rumeur d'un cauchemar. Ou alors c'est peut-être nightmare mais qui est complètement écrit à l'envers, hein. Foxy était un illettré, tout simplement. Et donc, on aurait un cauchemar en continu, un cauchemar qui reviendrait à peu près à 1987, au niveau de la morsure de 87. Enfin au moment de la morsure, pas au niveau. Et donc, peut-être que Purple Guy, qui je rappelle est décédé mais soi-disant hante Springtrap, on n'est pas sûr. Moi je pense qu'il est entre Springtrap. Il essaye de se demander qui est le responsable de la morsure de 87. Ce qui expliquerait les Was It Me par exemple. Et peut-être justement je vous rappelle que c'est Jeremy qui s'est fait mordre et que si Purple Guy c'est le même que Fun Guy, dans ce cas ils ont Fun Guy a échangé sa place avec Jeremy, ce qui fait qu'il échappe de peu le jour de la morsure de 87. Donc il échappe de peu à un châtiment, il perd son lobe frontal, ça va, il s'est sauvé. Et donc il se demande peut-être mais qui a pu causer tant de mal à Jérémy, enfin tant de mal, qui a pu arracher le lobe frontal de Jérémy. Et donc on pourrait avoir plus d'informations sur le passé, par exemple de Fredbear's Family Diner, hein, ça pourrait revenir un peu en avant, mais bon, ça c'est un peu le bazar en fait si vous voulez là pour le moment. Et donc, on a tous ces animatroniques qui, bien évidemment, ont pris une apparence horrifique, parce que c'est un cauchemar en continu, comme je le dis, enfin, comme je le pense. C'est un cauchemar en continu, donc ils ont pris une forme horrifique, et qui sont vraiment décidés, peut-être, à bloquer les souvenirs de Purple Guy, pour l'empêcher de savoir qui est le responsable, l'empêcher de tenter de se souvenir, Voilà, je pars dans une énorme spéculation. C'est incroyable. Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout ça. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous dis tchuss à une prochaine vidéo.